Alors, suite à la vidéo d'hier sur Anna Sand et ses nouveautés sur son stand, on va se balader aujourd'hui dans les entrailles d'une âme et découvrir ensemble pas mal de marques et de produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, voire qu'on ne voit pas du tout en France et en Europe. Vous allez voir, il y a des choses super intéressantes. Les amis, je suis rentré avec Dimitri dans le premier hall venu, c'était les guitares électriques, et c'est pas de ma faute, mais la première marque qui s'est présentée à moi derrière la porte, c'est Heritage, juste ici. Alors Heritage, moi j'en ai une, pour ceux qui suivent un petit peu mon groupe, vous l'avez déjà vu, c'est une Gold Top des années 80, de 87 exactement. Et là j'ai essayé la H150, donc sa petite sœur, qui est sortie il y a quelques années déjà chez Heritage, qui a encore plus large comme une Les Paul standard, on va dire. Et Heritage vient de faire une petite série de guitares, vraiment très petite série, déjà que c'est le cas pour les standards, mais cette série s'appelle Aged, donc toutes les guitares sont vieillies, et vous avez vraiment des bois sélectionnés au maximum, hyper légères. La guitare était vraiment incroyablement légère là que j'ai essayé, et ça sonne mais d'enfer. Alors pour ceux qui se posent la question, la grosse différence avec Gibson pour moi, c'est la clarté du son et la clarté de tout simplement de la guitare globalement. Quand on est sur le micro grave, on entend tout, c'est pas brouillon, c'est pas enfermé. Je trouve que les Gibson, au fil des années, ont peut-être un petit peu gagné en grosseur, mais pas forcément en précision. Là, on a vraiment plus l'impression de jouer sur une vieille Gibson des années 60-50 qui claque, qui a beaucoup de bordants, avec des aigus qui sont magnifiques. Là, j'ai joué sur un ampli, on reviendra sur cette marque Harmony, mais je connaissais pas du tout, franchement, je ne suis même pas réglé. J'ai juste mis un tout petit bout de reverb, et c'est tout. Et honnêtement, j'étais vraiment tout de suite bluffé par l'instrument. J'ai eu la chance d'en essayer à l'usine à Kalamazoo déjà. Et là, franchement, voilà, bah deuxième claque pour moi. C'est vraiment des guitares fantastiques. Heritage, malheureusement, très 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 difficile à trouver en France parce que pas distribué. Mais si vous voyagez sur les US ou ailleurs dans le monde et que vous en trouvez une, prenez le temps de vous arrêter et essayez cet instrument parce que c'est vraiment fantastique. Thank you.
d'essayer un ampli. Alors en fait ils sont sur le même stand qu'Heritage, donc on était juste à côté. Et puis je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça. Alors Harmony ressort des guitares, pour ceux qui ne savaient pas. Harmony c'est une vieille marque de guitare américaine, guitare plutôt cheap en fait à la base, et qui est en vogue depuis quelques années dans le vintage. Et ils ressortent des modèles neufs donc, et des amplis. Et ça c'est mortel, puisque ces amplis sont vraiment terribles. Il y a un grain que j'adore, très 50s. Et là avec le modèle d'Heritage qu'on a essayé, on a eu la chance d'essayer un modèle spécialement fait pour le NAMM. Sur cet ampli, franchement j'ai pris un pied monumental, ça sonnait d'enfer. Sur le stand de James Troussard, qui est en fait un luthier français à la base, qui s'est installé aux États-Unis il y a quelques années. Quand est-ce que tu es venu aux États-Unis exactement? En 2000. Mm-hmm. Je faisais pas que des guitares en métal. À l'époque, j'avais un atelier de réparation, donc je faisais un peu ce que les gens me demandaient de réparer, etc. Ça m'a permis de réparer toutes sortes de guitare, depuis les plus cheap jusqu'aux plus coûteuses. Et donc ça a été mes années d'apprentissage où ça prend du temps de découvrir toutes ces fabrications qui ont commencé au début du siècle. T'as tout touché comme style de gratte, quoi, de la Gibson à... Il y a des gens qui viennent avec une vieille Selmer et le manche, il faut leur coller. Donc j'ai commencé à faire des Dulcimer acoustiques. D'accord. Quand j'avais 18 ans. J'ai fait quelques vielles à roue, etc. Et je joue toujours du Dulcimer. Okay. Donc on a un copain à toi qui est là, Joe Gore, qui est un super guitariste, comme tu m'expliquais. Qui est quelqu'un donc, qui a joué de la guitare avec pas mal de célébrités. Alors salut Joe, il va faire l'effort de parler français pour vous. Il a un très bon français, il est très modeste, mais en fait il parle très bien français. Merci de nous accorder ton temps, James aussi d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es au NAMM cette année, toi? Oui, oui. Bonjour ami. Pardon, mes français est le pire au monde. Mais j'ai essayé de parler en français. Pardonnez-moi. Je suis ici avec mes pédales et avec mon guitare super de James. Ah oui, c'est une vieille guitare. J'ai cette guitare pour plus de 20 ans et ma guitare préférée. On va l'essayer juste après d'ailleurs pour voir, mais voilà, une guitare de James Troussard donc il y a 20 ans qui est juste là. Magnifique d'ailleurs, très rouillé, vraiment comme j'adore. Moi, c'est vraiment comme ça que je les préfère, les James Troussard. On va essayer. C'est quoi, grosso modo, qu'est-ce que tu fais comme effet? C'est quoi tes effets préférés, tu? Mon désir avec les effets est avoir plus de réponses dynamiques. Mes effets, en général, sont moins compressés que les autres. La majorité sont effets de distortion, mais peut-être moins gain et moins compression. Plus naturel, quoi, un son plus naturel. On va voir ça. Donc, juste après. Ouais. Il joue dans la subtilité, on peut dire, un peu plus. C'est des pédales qui sont pas faites en grande quantité. Et donc c'est intéressant parce que il y a une originalité
qui lui est propre. On va essayer ça dans quelques instants. Je vous laisse aussi admirer, les amis, le magnifique stand ici, parce que moi, il m'a vraiment attiré l'œil. Il y a la quintessence de la marque James Troussard qui est ici, avec ce côté un peu rouillé, roots, qui me plaît vraiment depuis des années. C'est vraiment une super marque. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux. Merci pour avoir fait l'effort de parler français. Super français, d'ailleurs. Parfait, ça fait plaisir. Et puis, on va essayer ça. Merci beaucoup. Si, c'est vrai. Merci à vous deux. Et puis, on essaye ça tout de suite ensemble, les amis. Passant par là, on est tombé sur le magnifique stand de Reverb.com, le site internet que vous connaissez tous, on va pas en parler ici, mais voilà, c'est un site qui a énormément de succès. Et ces gens-là savent faire, franchement, ça attire l'œil, c'est super beau. Ils ont mis pas mal d'instruments vintage, dont cette magnifique Switchmaster là-dessus, Gibson, magnifique, une harmonie ici. Et puis, cette chose-là, alors ce petit truc-là, il y en a pas mal d'entre vous qui doivent pas connaître, d'autres qui doivent très bien connaître. C'est l'ancêtre en fait du multipiste numérique, sauf que là, ça se passait avec des cassettes. Et quand j'étais gamin, il y avait ce truc-là à la maison. Je mettais une petite table de mixage à côté et je faisais du multipiste en fait avec. À savoir, bah, par exemple, j'enregistrais toute ma batterie sur la piste 1, la guitare sur la piste 2, la basse sur la piste 3 par exemple. Et je rebalançais tout sur la piste 4 ici. Et en fait, après, on pouvait recommencer jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien parce que les bandes étaient trop minces pour avoir une qualité de son acceptable. Mais c'était super marrant. Puis c'était surtout, pour moi, les balbutiements de l'enregistrement et de la production, entre guillemets, musicale. Donc, super souvenir de voir ce petit Tascam Porta Studio. Ça s'appelle comme ça, Tascam Porta Studio, ici sur le stand de Reverb au NAMM. Thank you.
Voilà les amis, pour la fin de cette première journée au NAMM Show 2020. Alors c'est vraiment très très impressionnant, je crois qu'on s'est fait surprendre quand même. C'est vraiment immense, on savait que c'était grand, mais pas autant que ça. Alors on est passé sur quelques stands, bien sûr on vous a pas montré ce qu'on a vu, mais juste quelques stands et on n'a même pas vu un quart du salon aujourd'hui. C'est immense, enfin, tout instrument en plus. Ouais, puis, c'est là où on a halluciné, il y a plein de choses. Il y a vraiment vraiment plein de choses, on a découvert personnellement aujourd'hui, il y a plein de marques pourtant. Il y a vraiment beaucoup de choses que je suis sur les réseaux et tout. Là, on a vraiment trouvé plein de nouvelles choses. On a terminé avec Milkman, une marque de San Francisco qui fait des amplis, mais juste hallucinant. Ouais, ça sonne. C'est vraiment impressionnant d'ouverture, ces amplis, c'est vraiment magnifique. Donc on a partagé toutes ces choses avec vous parce que c'était important pour nous de vous faire découvrir ce matériel qu'on n'a pas forcément l'habitude donc, d'avoir en France ou en Europe. Et qui sonne vraiment terrible, ils savent faire, ça je crois qu'il n'y a pas, de débat là-dessus, c'est vraiment les rois de ça. Nous aussi on sait très bien faire, mais il y a quand même une origine à tout ça dans ce pays. Et puis encore une fois, pour revenir au salon, l'organisation globale du truc, vraiment, moi m'a bluffé. C'est clair. Il n'y a jamais la queue nulle part, les marques sont super bien réparties, super bien organisées. On se doutait que ça allait être bien fait quand même, mais pas à ce point-là, c'est vraiment top, c'est plus que par thème, c'est même par grosseur de marque, c'est vraiment top. J'ai adoré cette première journée, on a adoré la partager avec vous parce que c'était vraiment une expérience. Et on vous donne rendez-vous donc demain pour le second jour au NAMM. Pour la prochaine vidéo, salut, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao. On sait toujours pas. Salut.